Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui ensemble, nous allons voir un plan super court, hein, vraiment un mini plan. Et honnêtement, je pense qu'il sera le plan le plus court que vous ayez jamais appris. Il est composé de simplement 3 notes, hein. Juste 3 petites notes enchaînées. Franchement, je pense que ça va. Mais ça ne l'empêche pas de sonner carrément, hein, et d'agrémenter vos grooves, hein, qu'ils soient en binaire ou ternaire, ou même d'accentuer certaines pêches, hein. Enfin franchement, moi, je l'adore. Et en plus de sonner, hein, il vous permet aussi de travailler votre coordination pied-main. Donc pied droit pour la grosse caisse, hein, et main gauche pour la caisse claire si vous êtes droitier, et forcément l'inverse, hein, si vous êtes gaucher. Bon allez, assez parlé, je vous l'explique tout de suite. C'est parti. Alors ce mini-plan, il est vraiment super simple à comprendre, hein, parce que comme je vous l'ai dit, il est super court. Hein. Il y a juste 3 petites notes à apprendre. Donc la première note, ça sera grosse caisse et charlet en même temps. La deuxième note, ce sera caisse claire toute seule, hein, donc avec la main gauche. Et la troisième note, ce sera grosse caisse et caisse claire en même temps. Voilà, c'est tout. Bon ok, ça a l'air facile comme ça, hein, mais vous allez voir que dans la pratique, ça ne l'est pas tant que ça. En effet, quand on le fait tourner, nous avons 2 grosses caisses et 2 caisses claires qui sont à cheval comme ça, hein. Elles se chevauchent. Et juste ce petit truc-là, c'est un excellent exercice de coordination. Je vous le joue. Et ce mini-plan, je le joue dans cette vidéo qui est consacrée au travail des Ghost Notes. En effet, je lui fais faire quelques petites apparitions dans mes grooves. J'avais fait exprès. Vous pouvez la regarder maintenant ou la regarder après, hein. De toute façon, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vais donc vous ressortir 2 extraits, hein, de cette vidéo en exemple, hein, de comment utiliser justement ce mini-plan. Et aujourd'hui, un autre nouveau groove dans lequel j'adore le placer. Et si vous voulez, je pourrais vous expliquer bien plus en détail dans une prochaine vidéo comment je l'utilise exactement dans un de ces exemples. Donc n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires celui qui vous intéresse le plus. Et voilà, cette vidéo sur ce petit mini plan est déjà finie. Donc si elle vous a plu, hein, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air, je vous remercie beaucoup. Et vous pouvez aussi partager un max cette vidéo, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube, hein, pour être les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et en parlant d'abonnés, nous avons dépassé les 5000. Vous vous rendez compte, on est plus de 5000 sur cette chaîne. Et je crois même que là, nous allons bientôt dépasser les 400 000 vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ce qui veut dire que mes tutos, mes petits conseils, etc. auront été vus plus de 400 000 fois. La classe. Non mais c'est vrai que c'est hallucinant comment elle grandit vite, hein. Et ça, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup à vous, hein, d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Franchement, ça me motive grave à vous proposer de plus en plus de vidéos, hein, et j'espère de meilleure qualité. Donc, on continue comme ça, hein, et prochain objectif, les 10 000. Et promis, je vous réserve une belle surprise pour le cap des 10 000. Avec par exemple des cadeaux à gagner ou même une apparition de vous dans une de mes vidéos. Mais chut, on n'y est pas encore. Donc je compte vraiment sur vous pour les atteindre le plus vite possible.
Et bien sur ce, je vous dis au revoir, hein, et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patient, et surtout, faites-vous plaisir. Bye.